Merci de regarder Gabon Télévision et bienvenue dans l'Entre-deux, édition de ce vendredi 2 février 2018, journée de la marmotte qui se célèbre beaucoup plus en Amérique du Nord, mais également journée mondiale des zones humides. On en reparlera au cours de cette édition. Et pour cette dernière de la semaine de l'Entre-deux, le thème choisi, l'homme pourrait-il ou devrait-il faire et accomplir des tâches ménagères dans le foyer? C'est donc le débat qui a démarré depuis hier soir sur les réseaux sociaux et qui se poursuit donc aujourd'hui en direct. Vos avis seront relayés tout à l'heure. Des invités, énormément d'invités sont au programme de cette dernière de la semaine, mais également vos rubriques « Qu'est-ce qu'on mange ?» et tout de suite le Flash Actu. Bonjour à tous et bienvenue au Flash Actu de ce jour. Et nous décollons par l'aéroport international Léon Bat de Libreville. Il paraît que... La presse raconte que... On aurait purement et simplement punch out la société française ADL qui gérait cette infrastructure. Les Français qui géraient l'aéroport depuis 30 ans ont pourtant tenté, à la roumaine même, « Monsieur, pardon, renouvelez notre contrat !» de renouveler l'accord, mais le Gabon, droit dans ses bottes, lui a opposé un niet retentissant. Le gouvernement a même officiellement notifié à la société le non-renouvellement de la concession, tout en rassurant qu'il veillera au respect des droits des Gabonais qui travaillaient dans la société. Beau jeu! Maintenant, la deuxième partie du film, c'est celle où on nous révélera le nom du prochain concessionnaire et gestionnaire de cet aéroport. Just wait and see! Des nouvelles également de nos deux amis en down la semaine dernière dans notre baromètre. Il semblerait qu'ils goûtent à nouveau depuis hier l'air du dehors, de façon provisoire selon certains sites. Je parle bien entendu des sieurs Okologo de la SNI et d'Itona de la CDC, qui jusque-là étaient entendus au B2 dans le cadre de l'opération Mamba. Mais une liberté provisoire ne veut pas dire affaire classée. Le juge a décidé simplement de laisser en fonction les deux éléments qu'il a dans le dossier. Les actes d'instruction se poursuivront et peuvent conduire à tout moment à incarcérer un inculpé en liberté provisoire. Explique la source de notre source à notre source. C'est loin d'être terminé. Et si vous ne le savez pas encore, notez donc que désormais notre PA national ne sera présenté comme l'attaquant du Borussia Dortmund, mais comme le gunner gabonais. Et oui, c'est officiel depuis hier matin, Pierre-Emerick Aubameyang a signé avec le club Arsenal pour les 3 ans et demi à venir. Attends, 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 petit avant-goût de ton English, PA. I think the club have such a big history and they are the great players. Il a rejoint la team à Arsène Wenger dans le championnat le plus suivi d'Europe. Et mon petit doigt me dit que ça risque de devenir le plus suivi des Gabonais aussi. Désolé, Dortmund. Fallait pas laisser filer ta pépite. En Namibie, ça risque d'être compliqué la Saint-Valentin pour les ministres qui avaient prévu des voyages romantiques aux frais de l'État sous couvert de mission. Le président Hage Geingob vient d'interdire à ses ministres d'effectuer des voyages officiels à l'étranger. Et l'interdiction couvre tout le mois de février. Une décision qui vise à réduire les dépenses publiques dans un contexte national de crise économique. Et pour illustrer sa bonne volonté, le chef de l'État a lui-même utilisé un vol commercial pour ses vacances en décembre dernier et même pour se rendre au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba au lieu du jet présidentiel. Là, c'est du sérieux. Autre mesure forte, des milliers de soldats vont être contraints à prendre des congés forcés à partir de ce mois de février afin de déduire les dépenses d'électricité, d'eau et de nourriture de l'armée. Ah ça, c'est tout pour le Flash Actu de ce jour. Bon week-end à tous. Merci et bon week-end à vous également. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la journée mondiale des zones humides, ce 2 février, nous célébrons donc cette journée pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides. C'était donc un 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar. C'est au nord de la mer Caspienne. Le comité permanent de la Convention de Ramsar sur les zones humides a donc choisi ce thème pour cette édition 2018, les zones humides pour un avenir durable, voilà, pour un avenir urbain durable. Nous suivons ce message qui nous vient de Ramsar. «
Les zones humides sont vitales pour un avenir urbain durable. 4 milliards d'êtres humains, soit environ la moitié de la population mondiale, vivent aujourd'hui en zone urbaine. D'ici à 2050, ce chiffre devrait augmenter car les villes attirent de plus en plus de personnes en quête d'emploi et d'un avenir meilleur. L'urbanisation est un des principaux enjeux de notre temps. Elle redéfinit totalement les lieux et les modes de vie futurs de l'humanité. On estime ainsi que le nombre de mégapoles de plus de 10 millions d'habitants passera de 31 à 41 avant 2030. Une population urbaine en expansion rapide pose d'énormes défis aux urbanistes et aux gestionnaires des villes dont la tâche est de faire en sorte non seulement que les villes offrent aujourd'hui des services de base tels que les logements, les transports et de l'eau, mais aussi qu'elles soient sûres, résilientes et respectueuses de l'environnement. Chaque année, le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides pour sensibiliser le monde entier à l'importance des zones humides pour l'humanité et la planète. Le thème de cette année, les zones humides pour un avenir urbain durable, souligne le rôle essentiel des zones humides en faveur d'une urbanisation durable. Les zones humides urbaines sont vitales et contribuent à rendre les villes agréables à vivre. Pendant les tempêtes, les zones humides urbaines absorbent l'excédent des précipitations, limitant les inondations et réduisant les catastrophes et leurs conséquences financières. Leur végétation abondante filtre les eaux usées, domestiques et industrielles, améliorant ainsi la qualité de l'eau. Les zones humides urbaines alimentent les villes en eau et offrent des espaces verts pour les loisirs et le bien-être humain. Voilà, c'était donc le message officiel en célébration ou en commémoration donc de cette journée qui est dédiée aux zones humides. Et nous accueillons le premier invité de cet entre-deux, la dernière de la semaine sur Gabon Première. Diri Biban, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes membre du panel des inconnus. C'est un nom qui fait toujours sourire. C'est quoi ce panel où il n'y a que des inconnus? Le panel des inconnus, d'abord merci de nous avoir... donner l'opportunité de nous exprimer sur votre plateau. Mmh. Alors, le panel des inconnus, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme citoyenne. Elle est composée essentiellement des jeunes engagés citoyennement, des jeunes qui ont un dénominateur commun, celui d'impacter positivement leur communauté, leur pays. Alors, c'est ça le panel des inconnus. C'est une ONG, une association, vous avez combien d'années d'existence? En réalité, c'est un regroupement d'associations. D'accord. Parce que les jeunes qui composent ce panel sont membres et responsables d'associations. D'accord. Et donc, c'est des jeunes responsables d'associations qui se retrouvent au sein de cette plateforme pour pouvoir mener ensemble quelques activités. Alors, ce vendredi même, à partir de 15h, vous avez l'intention d'organiser une conférence. Et c'est le thème qui nous intéresse, les opportunités de financement et de carrière à l'international. On va séparer en deux, déjà, des opportunités de financement. Est-ce que ça concerne les entrepreneurs? Qu'est-ce qui... Les opportunités de financement, parce que je vous disais tantôt que le panel des inconnus est constitué de jeunes responsables d'associations. Mmh. Lorsqu'on est une association, on a besoin de financement pour mener nos activités, pour mener à bien certains projets. Et donc, le thème cadre vraiment avec la vision du panel des inconnus, étant donné que c'est des jeunes qui ont des projets qui veulent impacter positivement leur communauté. Donc, ces jeunes ont besoin de moyens, ils ont besoin de soutien. Et c'est pourquoi nous offrons cette conférence pour donner l'opportunité aux uns aux autres de savoir comment aller décrocher des financements quelque part. Et vous parlez également de carrière à l'international. Oui, on parle également de carrière parce que au sein du panel des inconnus, nous avons des jeunes qui ont fait carrière à l'international. Donc ces jeunes ont une expertise avérée et donc ils vont partager leur expérience avec ceux qui viendront. Alors, donc, ce n'est pas une conférence où vous allez dire, voilà, on a des possibilités et tout, mais ce sera juste de mettre en relation des personnes qui pourraient... Bon, des possibilités, oui, j'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, je crois que l'information est un pouvoir. Mm-hmm. Celui qui a l'information a le pouvoir.
si on vous donne l'information en vous indiquant où vous pouvez avoir des financements, on vous donne l'opportunité d'avoir ces financements. Donc, j'estime que c'est une opportunité qu'on offre aux uns aux autres de pouvoir décrocher des financements quelque part ou démarrer une carrière à l'international, parce que c'est aussi ça l'objectif. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore véritablement constitués, par exemple, vous aurez des personnes qui sont des porteurs de projets, mais ce n'est qu'au stade de l'idée. Est-ce que vous avez aussi prévu de les aider? Qui sont vos partenaires sur le plan... Bon, pour l'instant, on n'a pas réfléchi, on n'a pas programmé une activité pour accompagner ceux qui ont des projets, mais au sein du panel des inconnus, il y a des jeunes qui peuvent faire école auprès d'autres. Il y en a qui ont réussi dans leur expérience. Donc, ceux qui arrivent peuvent bénéficier de l'expérience des anciens dans ce cadre. Et donc, une personne qui vient à cette conférence, au sortir de la conférence, qu'est-ce qu'elle retient, qu'est-ce qu'elle... Si vous venez à cette conférence en tant que responsable d'association, vous aurez l'opportunité de savoir comment décrocher des financements quelque part à l'international. D'accord. Parce que si vous êtes au Gabon avec un projet bien défini, sans moyens, sachez qu'il y a de l'argent quelque part à l'international. Il faut juste se déplacer, aller cogner la porte pour trouver cet argent. Si vous êtes diplômé et que vous n'avez pas d'emploi, vous devrez savoir qu'il y a de l'emploi quelque part pour vous à l'international. Il faut juste avoir la bonne information pour aller cogner à cette porte pour décrocher votre job. Donc, c'est des outils que vous leur donnerez. C'est vraiment l'enjeu de cette rencontre. Alors, on précise qu'elle démarre donc à 15 heures. C'est dans quelques minutes, hein, on peut le dire ainsi, ou dans quelques heures seulement, à l'American Corner de l'Institut de gestion de Libreville. Et donc, comment vous avez un numéro pour la réservation? Est-ce qu'il est tard? Bon, il n'est pas trop tard, mais sauf qu'il faut dire que les premiers arrivés auront accès à la conférence parce que la salle est très limitée, c'est 30 personnes. Donc, si vous venez en retard, vous n'aurez certainement plus de place. C'est pourquoi nous avons demandé aux uns aux autres d'appeler pour réserver leur place. Et donc, je veux rappeler que la conférence sera animée par deux jeunes. Mais justement, c'est la question qui arrivait. J'allais vous dire, même si ce sont des inconnus, on voudrait quand même savoir qui compte animer cette conférence. La conférence sera animée par deux jeunes. La première, c'est une dame, elle s'appelle Claude-Marie Antougou. C'est une dame qui a participé à un programme aux États-Unis, un programme des célèbres universités Harvard et Oxford. Donc, au sortir de ce programme, elle a acquis une expérience qu'elle voudrait partager avec d'autres Gabonais pour pouvoir aussi bénéficier de ce programme. L'autre conférencier, c'est également un jeune Gabonais qui s'appelle Marc Axel Bouda. Il est secrétaire permanent à la section jeunesse des Nations Unies spécialisée dans les questions de paix et de sécurité. Donc, dans le cadre de sa collaboration avec les Nations Unies, ce jeune Gabonais a également eu une expérience et c'est cette expérience qu'il voudra aussi partager avec d'autres jeunes Gabonais qui en ont certainement besoin. Alors, est-ce que c'est une seule édition ou alors vous comptez remettre cela? Bon, pour l'instant, je crois que c'est le lancement d'une caravane. Je crois qu'elle va se poursuivre. Pour l'instant, on n'a pas encore programmé. Peut-être penser à l'intérieur du pays également. On n'a pas encore programmé. On espère que votre émission sera partenaire. Vous allez accompagner le panel des inconnus jusqu'au fin fond du Gabon pour pouvoir donner l'accès à d'autres jeunes Gabonais qui sont à l'intérieur de pouvoir bénéficier. Mais comme vous l'avez dit, c'est l'information, c'est la clé. Hein, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas par ignorance ou qu'on loupe par ignorance. Merci beaucoup, Diary Biban, d'être venu nous parler de cette conférence qui se tiendra donc dans quelques heures seulement du côté de l'Institut de gestion de Libreville organisé par le panel des inconnus. Vous revenez quand vous voulez. Les portes vous sont ouvertes. J'ai l'habitude de dire la clé est sous le paillasson. Donc, vous pouvez revenir quand vous voulez. On vous raccompagne juste avec ceci. Merci. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale.
l'on continue. Pour vous permettre de vivre le temps. Espace Jeune, un programme d'une heure désormais diffusé sur Gabon Première. Espace Jeune est un programme qui comprend de nombreuses articulations répondant aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Ces articulations sont axées sur l'éducation, l'information et le divertissement. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tous les samedis entre 15h et 16h sur Gabon Première. Espace Jeune, le rendez-vous de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Dans l'entre-deux, l'homme pourrait-il ou devrait-il accomplir des tâches ménagères dans le foyer? C'est le thème du débat du jour et vous êtes nombreux à réagir. Le père Juan Mateo Pola Mathieu de Don Bosco Micolongo nous dit « Ce n'est écrit nulle part que l'homme ne doit pas faire les tâches ménagères. Il doit soutenir sa femme dans l'entretien de la maison. » Richard, dans le groupe WhatsApp, nous dit « Ce sont les Africains en fait qui sont en retard. 60% des hommes européens accomplissent et participent à des tâches ménagères. Les robots nous aident beaucoup à faire la cuisine, à débarrasser la table, remplir et vider la lave-vaisselle, mettre en route et sécher le linge, chercher les enfants à l'école et autres. Mais surtout, c'est un moyen imparable. Voilà pour être ensemble. Idriss, commerçant au marché Montboîte, nous dit « Ça va commencer comment que je sorte le matin et je rentre seulement la nuit pour faire le ménage ?» Innocentia nous dit « Il devrait tenir un foyer, c'est dur pour une seule personne. » Voilà, il devrait faire le ménage, tenir un foyer, c'est dur pour une seule personne. Youssoufa Mine, depuis le Sénégal, nous a écrit « Je crois que c'est un thème pertinent à ta question de savoir si l'homme pourrait ou devrait accomplir des tâches ménagères, je dirais que oui, plutôt que dans les foyers de nos jours, ce sont les hommes qui font tout. Nouveaux chers époux, oncles, frères, avons fait en sorte que la femme ne souffre plus à la maison. » Il continue en disant « La preuve, dis-moi qui de papa ou maman paye les factures. Dans le passé, nos mémés allaient puiser de l'eau au puits. Aujourd'hui, c'est nous qui gérons la facture d'eau. Elles allaient chercher du bois de chauffe. Aujourd'hui, on paye le gaz à la place. » Quelques exemples qu'il prend. Nadia Raoni Manalina, j'y arrive, de Madagascar, bien sûr. Il pourrait, car il n'y a pas de tâches qui sont attribuées aux femmes ou aux hommes. Le foyer est à tous ceux qui y sont, donc à chacun de contribuer à sa bonne tenue. Barak Niar nous dit « Personnellement, ce que je fais le plus, c'est cuisiner le week-end. Je trouve de joie à le faire, c'est galant et c'est gourmand. » Thierry, depuis Libreville, nous écrit « Bonjour, en ce qui me concerne, je pense sincèrement que ce n'est pas nous qui inventons aujourd'hui l'organisation d'un foyer. On reproduit ce que nos parents ont fait avant nous. Papa va à la chasse ou à la pêche et maman récupère la banane dans sa plantation en ayant balayé le village avant d'aller en brousse. La charge quotidienne incombe à la femme. C'est ainsi. Si la femme estime avoir une surcharge de travail, elle se fait assister des enfants, surtout les filles, pour la soulager et en même temps former les enfants. En conclusion, de manière ponctuelle, le mari peut aider sa femme, mais que cela reste sur la base du volontariat. Nous continuerons tout au long de l'émission à lire vos interventions quant à ce thème. Je rappelle, l'homme pourrait-il ou devrait-il accomplir des tâches ménagères dans le foyer? Nous accueillons le deuxième invité de cet entre-deux, le prophète William Arsène Yokat Ngedi. J'espère que j'ai bien prononcé. Bienvenue, soyez le bienvenu dans l'entre-deux. Vous êtes donc de la mission du Cèdre. Oui. J'ai tout dit, il n'y a pas un autre démembrement caché. Alors la première question, avant de savoir le but de votre visite, c'est pour ma part en tout cas, c'est la première fois que je vois un prophète ou alors un homme de Dieu comme vous. C'est très surprenant, je ne sais pas quoi dire. Peut-être vous avez une explication particulière à cela. Non, mais c'est le vœu de Nazaréa, hein,
qui a été écrit dans Amos 2:11, dans Nombre 6:5 et dans Actes 18:18. C'est un vœu qui est dédié donc à Dieu qui est suscité, et c'est pour ça que je le porte. D'accord, donc ça n'a rien de d'interdit par la Bible de garder des cheveux. C'est un homme. Alors, vous êtes là pour nous parler de cet événement qui démarre ce soir, ces deux nuits intenses de prière, deux miracles au cours desquels il y aura des guérisons, des délivrances, mais dites-nous en plus. Non, il y aura non seulement de guérisons corporelles, de miracles, mais aussi, disons, toutes sortes de bénédictions. Mmh. Hein, c'est dans tous les domaines de la vie d'un homme. Hein? Et donc, ça va se passer cette nuit et lendemain. En tout cas, ce sera intense. Je dis simplement que, qu'on vienne, qu'on voie, qu'on puisse le palper du doigt. Mmh. Je rappelle que vous êtes invité par la mission du Cèdre au Gabon. Vous venez du Congo. Alors, est-ce que c'est une vision particulière qui vous a fait accepter cette invitation du Gabon? En fait, c'est depuis 27 ans que j'ai été déjà invité au Gabon, mais jamais je n'ai pu arriver parce que simplement, je n'avais pas reçu mandat du Seigneur d'arriver. Mmh. Et si bien que cette fois-ci, quand ceci arrive, effectivement, j'ai reçu effectivement l'autorisation du Seigneur d'arriver. C'est pour ça que je suis arrivé. Alors, dans un petit encadré, on pourrait avoir quelques images. Déjà, le spot passe sur Gabon Première, bien sûr, mais juste en encadré, pendant qu'on continue de discuter, on pourra avoir quelques images de cette nuit-là. On parle de 19h déjà pour le démarrage, mais c'est jusqu'à l'aube. Toute la nuit. Ce sera constitué de quoi principalement? Quels sont les temps forts qui vont marquer ces nuits? Les temps forts, c'est la louange. La louange. Pourquoi la louange? Pour dire simplement au Seigneur que nous te remercions déjà, nous te chantons pour ce que tu as déjà fait. Mm-hmm. Et ensuite, ce sera principalement la parole de Dieu qui va s'accompagner puissamment de tout genre de guérison et de délivrance. Les démons vont donc quitter les corps et avec tout ce que ça comporte, comme l'avait dit Jean le Baptiste en demandant au Seigneur Jésus, et Jésus l'a répondu que allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux preuves, et démontrer que le temps des miracles n'est pas passé, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ces deux nuits de prière et de miracles, en général, sont sous-tendues par un thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce thème? Mais de ce thème, dire qu'il est hier, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que Jésus n'a pas changé. Il n'est pas certainement sûr, mais il n'a pas changé, qu'il a communiqué, effectivement, d'abord aux apôtres qui étaient avec lui, le message, et les apôtres l'ont communiqué à d'autres. Et Jésus a dit aux apôtres que ceux qui croiront en moi, par vous, feront aussi des miracles. Il dit, j'ai fait des miracles, mais vous en ferez de plus grands que moi. Et donc aujourd'hui, en tant qu'apôtre, vous venez accomplir ces miracles-là. Alors, c'est donc pour rappeler le lieu et la date, c'est à partir d'aujourd'hui, dès 19h, et d'ailleurs dimanche également, il y aura un culte normal. Vous y serez, vous serez encore là. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui et de demain, c'est deux nuits intenses de prières et de miracles du côté du cabaret des artistes, ici à Libreville. Le thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ouvert à tous. C'est gratuit, bien sûr. Gratuit, ouvert à tous. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à apporter particulièrement Si on a qui apportent des offrandes, ça dépend d'eux, mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de paiement d'entente ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est deux nuits, en fait, vraiment de délivrance gratuite en plus. Deux grandes nuits de délivrance. D'accord. Deux grandes nuits de délivrance. Et puis après, j'aurai donc toute la semaine, en matinée, des réceptions individuelles.
D'accord. On a peut-être des contacts à donner rapidement pour des personnes qui voudraient vous rencontrer ou alors aller sur, sur place. Voilà, rendez-vous sur place. Vous pourrez rencontrer le prophète William Arsène Yoka Ngendi, qui nous vient du Congo. Il est là donc dans le cadre de ces deux nuits intenses de prières et de miracles organisées par la mission du Cèdre à Libreville. On vous raccompagne en passant par la cuisine, si ça ne vous dérange pas. On va retrouver Léa et le chef Michel Colorec pour savoir ce qu'on mange aujourd'hui. C'est l'heure de manger. Et donc, qu'est-ce qu'on mange, Léa? Bonjour. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Comme d'habitude, dans votre rubrique « Qu'est-ce qu'on mange ?», nous revisitons les grands classiques de la cuisine gabonaise, les grands classiques de la cuisine gabonaise parfois oubliés, et ce, grâce au chef Michel Colorec de l'École supérieure de cuisine La Toque Noire, qui est en notre compagnie encore aujourd'hui. Bonjour chef Michel. Bonjour Léa, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. Alors aujourd'hui, vous allez sublimer, revisiter un grand classique. Oui, aujourd'hui, nous allons réaliser ce qu'on appelle couramment le paquet. Donc, ce sera un paquet de poissons avec nos ingrédients. Donc, ce paquet, nous allons l'appeler poisson à l'étouffée. Alors, et pour votre poisson à l'étouffée, qu'est-ce qu'il faut pour le confectionner? Alors, pour notre poisson à l'étouffée, aujourd'hui, nous avons choisi de préparer une carangue. Voilà. Donc, nous aurons la carangue, des aubergines locales, du gingembre, du poivron, des oignons, de la tomate, un peu d'odica et un oseille. Chez nous, on l'appelle iloti. C'est de l'oseille sauvage qui ne pousse qu'en forêt. Nous aurons également besoin de feuilles de bananier. Moi, je ne suis pas loin, donc je vous laisse pour la suite et on se dit à tout de suite pour la dégustation. Pour commencer, mesdames et messieurs, nous allons d'abord commencer par lever notre filet de poisson. Pour cela, nous allons prendre en dessous de la nageoire caudale, faire une entaille. Ensuite, au niveau de la queue, la carangue a tendance à être dure de ce côté-là. Donc, on fait glisser notre couteau entre l'arête et la chair. Voilà. Un petit filet d'huile dans lequel nous allons mettre nos oignons, notre poivron et notre gingembre, ainsi que nos aubergines. Nous allons utiliser un récipient un peu creux pour positionner nos feuilles. Nous allons poser nos ingrédients. Nous allons saler et poivrer notre poisson. Et maintenant, nous allons l'installer. Un petit peu d'oseille locale. On rajoute notre préparation. Un peu de sel encore sur les légumes. Maintenant, nous allons mettre juste une petite quantité d'odica. C'est pour apporter le parfum et non pas le gluant. Nous allons maintenant refermer notre paquet. Nous aurons besoin de ficelle. On fait un nœud. Ensuite, on passe en dessous. Un peu comme vous ferez pour un paquet cadeau.
Voilà. Maintenant, nous allons le mettre dans notre four qui est préchauffé à 175 degrés. Il n'y a plus qu'à attendre 30 minutes. Et dans 30 minutes, ce sera prêt. Alors, comme accompagnement, nous allons avoir de la banane. Vous prendrez une banane bien mûre. Que vous allez faire frire. Nous allons y ajouter un peu de sel. Voilà. Magnifique. Voilà, notre banane est prête. Alors, pour dresser, nous allons simplement prendre notre paquet. Que nous allons installer et mettre notre accompagnement sur le côté. Et voilà, notre plat est prêt. Il ne reste plus qu'à déguster. D'accord, chef Michel, merci une fois de plus pour votre générosité, pour ce partage de connaissances. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous avez toujours le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Blanche Pitcard, on se dit à très bientôt pour une autre recette, pour un autre partage de connaissances avec le chef Michel Colorec. Au revoir et à bientôt. Au revoir, nous on passe à la dégustation. À bientôt. À bientôt, Léa. Bonne dégustation. Bon appétit à vous. On ne fait plus de commentaires à ce niveau-là. Alors, l'homme devrait-il ou pourrait-il aider sa femme et accomplir des tâches ménagères dans le foyer? C'est le thème du débat de ce jour. Bonjour, je m'appelle Mélissa depuis Franceville. Pourquoi dit-on que l'homme ne peut pas aider sa femme dans les tâches ménagères? Question posée. Chris nous dit oui, l'homme peut le faire dans le but d'aider, mais aussi de montrer l'exemple aux enfants en ce qui concerne l'humilité. On a également plein de réactions qui nous parviennent sur ou dans le groupe WhatsApp. Bonjour pour ceux qui sont de croyances chrétiennes comme moi. Cette tâche revient à la femme et dans une société moderne, l'homme peut aider quand c'est possible. Mais malheureusement, quand il le fera pour la femme, il doit le faire tout le temps et non sporadiquement. Inéluctablement, cette incompréhension entraînera des conflits. En somme, que chacun reste dans son couloir. C'est son avis. Mary nous dit « Bonjour à tous. À mon humble avis, c'est normal que l'homme puisse aider sa compagne aux tâches ménagères. Pour moi, c'est un geste noble. Il ne le fera pas par contrainte, mais par amour. Donc, pour moi, l'homme pourrait aider sa femme le week-end quand ils sont en famille. Ce geste ne confrontera en aucun cas les deux conjoints. Au contraire, ça resserre encore plus les liens conjugaux. » Pour ma part, c'est un autre téléspectateur qui réagit. Les mots sont les éléments fondamentaux qui devraient orienter les réactions des différents sujets. De ce fait, les expressions qui m'intéressent sont « pourraient » et « devraient ». La première expression relève de la possibilité qu'a un homme, à un moment donné, de pouvoir aider sa femme. Quant à l'autre expression, elle met en évidence le caractère obligatoire de cette éventualité. En somme, tout est question d'organisation du foyer. En effet, si vous avez décidé que monsieur s'occupe des enfants, du manger le week-end, qu'il en soit ainsi. On a également une autre réaction qui vient de Lisette. L'homme peut soutenir sa femme. N'oublions pas que les tâches ménagères ont toujours été de la responsabilité de la femme. Maintenant, ça dépend de comment le couple a décidé de fonctionner dans leur foyer. Pour ce qu'il faut savoir, pour terminer, la femme a sa place, l'homme aussi a la sienne dans le foyer. Voilà, c'est quelques réactions qui nous sont parvenues via le groupe WhatsApp. On essaiera tout à l'heure de lire et de transmettre les réactions qui arrivent via la page Facebook de l'émission. Pour le moment, on accueille les autres
notre invitée de cette dernière de l'entre-deux pour la semaine, Claudia Peya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre de ce workshop modeste de Libreville, dont vous êtes le manager en termes de projet. Et vous êtes avec Greg Mbourou, qui est donc votre adjoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on sait que c'est un atelier, on sait que ça parle de mannequinat. Le tout mis ensemble, ça donne quoi? Ça donne un atelier de formation. Mm-hmm. Donc, The Workshop Model Libreville, donc TWML, on en est à notre deuxième édition. C'est un atelier de formation qu'on a mis en place, Greg et moi, pour former, informer et promouvoir toutes les personnes intéressées par le mannequinat et qui, justement, ne savent pas comment, où, vers qui, quand, quoi faire. Alors, on sait que c'est la deuxième édition, alors qu'on peut avoir le visuel d'ailleurs pour cet atelier de formation. Est-ce qu'il s'adresse juste aux mannequins? Est-ce que c'est une formation sur le métier de mannequin? Ou alors, voilà, dites-nous quelles sont les différentes étapes de cette formation-là. Alors, il s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par le mannequinat. Donc, le mannequin est juste un élément essentiel dans la mode. D'accord. Donc, la mode est un univers entier qui a plusieurs métiers, parmi lesquels le mannequin, le mannequinat. Donc, pendant cet atelier de formation, on se concentrera sur le métier de mannequin, mais on abordera également toutes les facettes qu'il y a dans la mode, c'est-à-dire le côté artistique, le maquillage, le design, la coiffure, le stylisme également. Le réseautage éventuellement. Le réseautage également. Alors, quand vous parlez du mannequin, est-ce que vous leur direz par exemple comment marcher, comment se vêtir, comment se tenir? Voilà, il s'agira de quoi? Quels sont les différents modules qu'on pourra retrouver dans Alors, cette formation? Au cours de cet atelier, déjà il va se dérouler en deux jours, sinon trois jours. Il s'agira comme ça, les membres du panel feront un programme, auront préparé un programme bien détaillé. Mm-hmm. Il s'agira éventuellement de marcher, d'apprendre à marcher, apprendre à s'exprimer, apprendre à poser devant un objectif, parce que c'est très important aussi. Un mannequin, c'est peut être une vitrine, par exemple, pour une boutique ou pour un magasin. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est plusieurs activités comme ça que... Est-ce que vous discuterez aussi un peu des problèmes? Parce que à côté de tout ce côté, de cette partie visible de l'iceberg, il y a derrière tout un tas de difficultés, de problèmes que rencontrent les mannequins, surtout en Afrique. Voilà. Donc, justement, c'est l'idée de départ, c'est informer, c'est-à-dire déjà briser tous les tabous qu'il y a autour du mannequinat. Le mannequinat, être mannequin, ce n'est pas pour... Pour être cru, ce n'est pas de la prostitution. Ouais. Être mannequin, c'est un métier. On peut gagner sa vie. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai gagné ma vie et Greg également. Mm-hmm. Et c'est surtout la raison pour laquelle on a une partie théorique. C'est-à-dire on a un talk show entre les différents invités. Donc, il y aura des designers qui viendront des pays étrangers, des mannequins africains qui viendront de pays étrangers et des mannequins locaux également qui mm-hmm. partageront leur expérience dans ce domaine. Donc c'est vrai, il y a tout un tas de fausses idées reçues par rapport au mannequinat, c'est-à-dire c'est un métier de débauche, c'est un métier... Est-ce que vraiment elles sont toutes fausses, ces idées? Est-ce que il y a aujourd'hui, par exemple, si vous êtes au fait de l'actualité dans le pays voisin, au Cameroun, il y a toute une polémique autour de Miss Cameroun 2018 au niveau de ce qu'elle devrait percevoir. Voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes comme ça qui tournent autour du mannequinat. Bah justement, voilà. Justement, l'atelier sert à ça aussi, c'est différencier. Un mannequin n'est pas une Miss. Une Miss n'est pas un mannequin, c'est deux choses complètement différentes. D'accord. Une Miss représente tout un pays, représente des valeurs. Après, c'est selon l'organisation de ce comité de Miss qui prend en charge la Miss. D'accord. C'est-à-dire, elle est attachée à ce comité. Le mannequin, c'est un être indépendant qui travaille avec une agence. Cette agence trouve des contrats pour le mannequin l'accepte, effectue ses contrats et est payé après. Chaque contrat. Mmh. Mais c'est complètement différent. En termes de perception de cachet ou de salaire, c'est une discussion entre le mannequin et l'agent, entre l'agent et le client. En termes de mise, c'est complètement différent. C'est le comité qui prend tout en charge parfois. Après, bon, je ne vais pas m'en... Oui, bien sûr. Je vais pas aller... Mais justement, en termes de ce traitement-là, en termes de comment ça se passe avec les agents, est-ce que sur le plan national au Gabon, est-ce que vous avez l'impression que le mannequin est vraiment valorisé?
L'une des raisons aussi pour laquelle on a mis cet atelier en place, c'est parce qu'on s'était rendu compte que l'activité au niveau local était un peu ralentie et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'agences et pas assez de mannequins et pas assez d'activités dans ce secteur-là. Donc, déjà recenser les agences, recenser les potentiels, les former et les promouvoir. Donc les promouvoir, c'est-à-dire leur donner tous les outils nécessaires pour être capable de s'exprimer sur une plateforme internationale. Voilà. Alors aujourd'hui, l'atelier se tient à Libreville. Est-ce que vous avez pensé à ouvrir les portes pour des personnes à l'intérieur du pays? On parle de mannequins, donc c'est de la beauté humaine qui est partout à Libreville, comme à Kouamoutou, à Tshibanga. Je ne sais pas, comment vous faites pour... Oui, déjà avec les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et autres, nous essayons de partager l'information. Et puis voilà, je pense que c'est pour le moment, avec des émissions comme la vôtre, nous pensons qu'éventuellement les gens regardent, les gens viendront. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voulez donner un autre visage donc à ce métier, de mannequin. Est-ce que vous avez, dans le recensement que vous devez déjà avoir fait, il y a combien de mannequins au Gabon, professionnels? Alors, professionnels... Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a des générations, bien sûr. La nouvelle génération, on en compte, je crois qu'il y en a 5. Professionnellement, 5. Mais on assiste tout le temps à des défilés, à des... Voilà, ça se fait avec qui alors, s'il n'y a que 5 mannequins dans tout un pays? Ça se fait avec les personnes qui sont intéressées, qui ont une passion, qui veulent vraiment c'est tout simplement le mannequins, faire. Mais c'est des mannequins. Mais après, c'est vrai qu'on assiste tout le temps à des défilés. Maintenant, il faut, pour ces personnes qui assistent tout le temps à des défilés, il faut être capable maintenant d'aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire de s'internationaliser, de se professionnaliser également. Parce que pour l'instant, on fait des mannequins, c'est vrai, mais on ne... C'est des mannequins amateurs, en fait. C'est faible, c'est un peu faible. C'est des mannequins. C'est des mannequins. On va dire que c'est des mannequins au stade basique. Maintenant, l'atelier servira à leur donner tous les outils nécessaires pour se professionnaliser, pour avoir une vision différente, pour avoir un comportement différent lors des défilés, par exemple, une façon de marcher complètement différente, une façon de poser face à un objectif, une façon de s'exprimer complètement différente. Comment on postule à l'étranger, par exemple, sur des événements à l'étranger, Alors, est-ce que ça pourrait arriver que vous disiez, ou alors que vous receviez quelqu'un qui a juste, parce que l'atelier est ouvert, donc c'est pour des mannequins déjà en activité ou des personnes qui souhaiteraient devenir, est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un, non, tu n'as pas de talent, ou alors ça ne peut pas le faire, parce que des fois, il faut pouvoir le dire. Alors, ça, ce serait en termes d'agence, ce serait un agent qui serait capable de dire... Malheureusement, vous ne correspondez pas à ce que nous recherchons en ce moment. Mais nous, en termes d'atelier, c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées. Parce qu'être mannequin, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement être grande, mince, et voilà, avoir un physique particulier. Aujourd'hui, tout le monde peut être mannequin, que ce soit pour une publicité, pour un magazine, pour une campagne de pub, pour une voiture, pour un produit de nettoyage. On le voit aujourd'hui dans toutes les publicités à la télé. Les prototypes ont complètement changé. Donc, ce serait notre objectif, c'est de donner la chance à tout le monde. Voilà. Après, le mannequin de 2 à 99 ans. Après, le mannequinat est assez diversifié. Aujourd'hui, on a des mannequins juste des photos, pieds. Des mannequins des pieds, des mains. Est-ce que vous comptez aussi dans votre atelier former toutes ces... Oui, parce que ça fait, en ce qui concerne le mannequin pied et main, ça fait partie de l'atelier comment poser devant un objectif, comment se mettre en valeur, comment mettre en valeur ses pieds, ses mains, ses cheveux, son regard, sa bouche, son nez, son corps, comment, voilà, ça fait partie de l'atelier. Alors, on rappelle peut-être les dates, vous les avez déjà arrêtées, mais on sait que pour le moment, c'est la phase d'inscription, Alors, pour les phases d'inscription, elles ont débuté il y a déjà 3 jours et s'achèvent le 10 mars. Voilà. D'accord. Donc, l'atelier en lui-même, vous avez arrêté une date déjà? Oui, nous avons une date du 14 au 17 mars. OK. Le visuel, normalement, devrait s'afficher avec les numéros de téléphone. On précise que ça se tient du côté de Mbolo, l'immeuble Majestic, pour tous ceux qui voudraient s'inscrire. C'est quand même une longue période d'inscription que vous avez... On veut donner cette fois-ci la chance à tout le monde, parce que l'année dernière, on disait que c'était court et que les coûts étaient aussi élevés. Là, on a descendu non seulement les coûts et on a rapproché, on a rallongé
la date aussi. Voilà, donc tous les amoureux du mannequinat, des pieds, des mains, du corps entier, voilà, ouais, toute personne qui aimerait bien, mais les agents également peuvent les agents venir. Éventuellement. Voilà, donc les toutes agents, tous les professionnels en fait du corps du mannequinat sont invités donc à cet atelier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va également vous poser la question, vous allez passer à la colle. Donc est-ce que selon vous et vous, l'homme pourrait ou devrait accomplir les tâches ménagères dans le foyer? Je vais laisser Greg répondre. Bah, c'est chacun, hein, chacun son tour. Moi, je dirais oui. D'accord. Moi, il devrait ou il pourrait? Il devrait. Il devrait. Voilà, OK. Devrait. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je pense que l'homme et la femme sont complémentaires, c'est ça? Ils sont complémentaires. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand la femme ne peut pas, il faudrait bien que le monsieur fasse quelque chose quand même. Voilà. Et vous? Moi, je pense qu'il pourrait. Comme on l'a dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mm-hmm. avec une des personnes qui a réagi, devrait, on passe du côté de devoir et obligation. En général, on sait que les hommes, ils n'aiment pas trop se sentir obligés. Mm-hmm. Moi, je pense que. Ça dépend. Je pense qu'il pourrait, éventuellement, il pourrait aider sa femme dans les travaux ménagers. Voilà, il ne faut pas forcément qu'elle soit malade. Hein. Voilà, voilà, elle a la flemme, et puis vous dites, c'est la Saint-Valentin qui arrive. En plus, c'est la Saint-Valentin. Valentin, ouais. Puisqu'on dit qu'il n'y a que le 8 mars, donc on peut aussi faire un bon petit dîner pour Madame à Saint-Valentin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à cette question. Comment préserver son système immunitaire? J'y arrive, c'est le thème d'aujourd'hui dans le geste quotidien. Et c'est tout de suite. Système immunitaire, cela vous dit-il quelque chose? Eh bien, sachez que le système immunitaire est notre meilleur système de défense contre la maladie. Il nous protège chaque seconde contre des armées de virus, de bactéries, de champignons et autres parasites. Pourtant invisible à nos yeux, il assure la garde de jour comme de nuit. Que ce soit pour guérir une otite ou un cancer, le système immunitaire est essentiel. Le système immunitaire est un élément essentiel à notre survie sur Terre. Donc, pour cette année 2018, prenez la bonne résolution d'en prendre soin, car une faiblesse du système immunitaire, et c'est la maladie qui s'installe. Alors, comment renforcer ses défenses immunitaires? D'abord, il faut savoir que l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, le degré de stress, la qualité des relations humaines, ainsi que le milieu de vie influencent tous la qualité de la réponse immunitaire qui est le déclenchement du système immunitaire face à la maladie. Petite astuce, manger sain et responsable, car comme le disait déjà Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Et si vous pratiquez un sport, une activité physique régulièrement, continuez. Faites des pauses pour déstresser, car la fatigue ainsi que le surménage affaiblissent le système immunitaire. Dormez suffisamment, car une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire, car elle réduit le nombre d'une certaine famille de globules blancs qui constituent des cellules du système immunitaire. Il existe quelques indices qui peuvent nous alerter sur une immunité réellement déficiente. Par exemple, une fatigue chronique ou persistante, des infections fréquentes telles que les rhumes, les infections urinaires. Des blessures qui cicatrisent mal. Voilà, c'était donc tout ce qu'il fallait savoir sur comment entretenir et préserver son système immunitaire. L'homme pourrait-il ou devrait-il accomplir des tâches ménagères dans le foyer? Derek MVP nous dit sur la page Facebook de l'émission, à première vue, je peux dire oui, mais pas toutes les tâches. L'homme moderne peut réchauffer la bouffe, nettoyer, laver les enfants, enlever le linge si madame n'est pas là ou si elle est vraiment malade. Pour ma part, il dira donc oui. Adeline Akumpe nous dit l'homme pourrait effectivement et devrait contribuer aux tâches ménagères dans le foyer. Cela fortifie et solidifie le couple et ça allège également la femme. Sandra Bass nous dit si les femmes sont amenées à contribuer aux charges de la maison, les hommes ont le devoir, voire l'obligation d'épauler leur femme, encore plus si la femme a une carrière professionnelle remplie. Mais toute chose a une limite. L'homme peut cuisiner certains plats comme le
poulet, l'odica ou la tomate, des pâtes alimentaires, mais de là à cuisiner le nyembwe, les feuilles de manioc ou piler les feuilles, ce n'est pas glamour. Mea Mea, qui est de retour, nous dit « Salut et pardon pour l'absence, tu es pardonné. Croyez-moi, je m'en veux, voilà. Par rapport à la thématique, je réponds oui comme non. Oui, si je me mets dans une position d'homme moderne et non, si je tiens vraiment aux principes, sinon aux valeurs traditionnelles africaines, je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'un homme épaule sa femme ou conjointe dans des tâches domestiques, mais cela peine à entrer dans la conscience noire africaine et je le comprends très bien. Umber, le Pakistanais, nous dit oui, mais seulement si la femme aussi travaille et ne doit pas faire le travail réservé aux femmes dans une maison. Voilà. Oui, mais seulement si la femme travaille aussi et il ne doit pas faire le travail réservé aux femmes dans une maison. C'est donc quelques avis qui nous parviennent comme ça via les réseaux sociaux concernant ce thème. L'homme devrait-il ou pourrait-il accomplir des tâches ménagères dans la maison? Et c'est le moment pour nous de passer au côté artistique de cette émission. Et nous recevons Morgane Barrès. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super. Je vous cueille tout de suite avec la question. Est-ce que vous pourriez ou vous devriez faire accomplir des tâches ménagères dans la maison? Oui, ça, je le fais très souvent. Après, il faut juste rester dans la limite du possible parce qu'après, un homme aussi très rangé, ça veut dire un homme très ordonné, mm-hmm. ça crée des problèmes dans le couple. Ouais. Ça, il faut le dire parce que si l'homme fait le ménage, la femme va commencer à se plaindre qu'il est trop méticuleux sur la propriété à la maison, sur ah tout oui? ce qu'il y a à faire. Oui, 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 les femmes, elles sont un peu... Vous voulez pas venir essayer chez moi parce que... Bon, non, après, les femmes, elles sont comme elles sont parce qu'une femme, tu peux... quand tu ne fais pas, elle se plaint. Mm-hmm. Quand tu fais aussi, ah non, là, il est trop propre, voilà, donc il faut laisser... Ouais, elle se sent un peu voilà, insultée ou alors elle se dit, bon quoi, il me trouve sale pour faire voilà, le ménage. Voilà, justement, bon, avec mais la femme... En tout cas, c'est pas moi, on ça. Hein. Non, c'est pas moi, ça. Chérie, continue de faire le ménage, il n'y a pas de problème, je suis tout avec toi. D'ailleurs, je fais la pom-pom girl derrière. Ah, allez, mon chéri. Alors, Morgane, tu es là aujourd'hui, ou vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de passion artistique qui ouais. fait le buzz. On va le dire ainsi, je parle un peu jeune, c'est vendredi. Et donc, vous nous parlez de passion artistique. C'est quoi au départ avant de devenir cette série de t-shirts, de polos, de casquettes, de sacs au dos même et tout? C'est quoi au départ passion artistique? C'est une agence de communication, d'accord? Communication culturelle, on fait juste dans ce qui est à travers la culture, donc la promotion, le développement artistique et tout ce qui va avec. Donc au départ, on allait sur cette dynamique-là, mais comme on se veut une structure respectée, donc il faut créer des fonds. Mm-hmm. Et là, on va plonger dans le streetwear. À la base, on développe les artistes et après, il y a aussi la partie community manager qu'on assure. Donc, c'est-à-dire on gère les réseaux sociaux pour les artistes, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir, qui n'ont pas le temps de gérer eux-mêmes. Donc, nous, on prend la charge de faire ça. Et après, derrière, on se dit, bon, il faut des fonds parce qu'on a besoin de fonctionner. Et pour fonctionner, il faut des fonds. Donc, il faut créer des fonds. Et comment est-ce qu'on crée les fonds? On met en marche, sinon on met sur le marché la marque de streetwear passion artistique. Mm-hmm. Alors, il faut déjà dire que là, c'est aller sur un coup de tête parce qu'il y a, il y a confrontation d'idées entre le producteur, le créateur et nous qui sommes collaborateurs. D'où, comment? Dites-nous. D'où on se dit, bon... Qu'est-ce qu'il faut pour passion artistique? Déjà, on met le logo signifie tout. Mm-hmm. Ça veut dire, sur le logo, vous avez remarqué, c'est deux têtes l'une dans l'autre. Mm-hmm. Alors, la première, c'est l'idée même, et la seconde, c'est la pensée. Après, derrière, on se dit, il y a moi, et il y a moi encore. Il y a le moi physique, il y a le moi intérieur. Il faut qu'on tombe d'accord. Et après, vous avez remarqué que parmi les deux têtes, il y a une qui est plus grande, il y a l'autre qui est plus petite. Comme pour dire, les grandes idées peuvent être accompagnées des petites idées, comme les petites idées doivent toujours compter sur les grandes. Donc, c'est complémentaire, peu, en fait. Voilà, c'est complémentaire. Donc, du coup, c'est un peu ça, le but de passion artistique. Derrière, c'est une équipe de jeunes. Voilà, on est tous jeunes. Voilà. C'est ce que nous encourageons, d'ailleurs, dans l'entre-deux. Si vous avez remarqué, on essaye toujours de mettre en avant des talents ou alors des initiatives de jeunes Gabonais. Et donc aujourd'hui, c'est plus le côté vêtements ou la ligne qui est en avant que tout le reste. Ben, la ligne de vêtements qui est en avant, c'est parce que c'est justement ce qu'on voit. Mm-hmm. Mais derrière, nous, on fait un autre boulot. C'est-à-dire, si je prends le community management de cette émission, mm-hmm. vous n'allez jamais voir ma photo. Je vais simplement D'accord. faire la communication de cette émission. Ça, c'est ce que je fais.
Alors, je ne vais pas me mettre, je vais pas mettre mon visage devant votre belle émission, mm-hmm. voilà, pour dire que c'est moi qui... Non, non, non. Je fais juste le boulot pour lequel j'ai été recommandé. Et puis derrière, on ne me voit pas. Mais ça, par contre, comme c'est physique, on peut toucher, c'est palpable, c'est ce qu'on voit, le plus. Alors, pourquoi le nom passion artistique? Même si ça veut quand même un peu tout dire, mais bon. Passion artistique, c'est une histoire qui date de, on va dire, 2003, par là, 2003, avec Sergio Romar, qui était l'animateur du côté de Kulamoto, sur KFM. Alors, il avait une émission... Passion hip-hop. D'accord. Alors lui, il termine ses études secondaires, il vient à Libreville pour les universitaires, les études universitaires. Alors arrivé ici, il intègre une radio, Radio Ubuntu, et il relance la même émission avec le même concept. Donc on reste toujours dans la passion. D'accord. Alors comme nous, on est passionné de l'art, alors on se dit, bah, s'il faut être passionné, il y a l'art, il faut être passionné de quelque chose. Parce que la passion, on peut pas être passionné de n'importe du vide. Mm-hmm. Voilà, il faut être passionné de quelque chose. Alors, nous, on est passionné des arts. Donc, du coup, la culture. Alors, on plonge tout de suite dans la culture parce qu'on on fait le développement artistique, l'accompagnement, on fait le booking aussi pour les artistes. Donc, du coup, derrière, on se dit, bon, passion artistique, ça sonne bien, c'est bon, c'est beau, c'est beau à entendre. Voilà, donc, du coup, il faut mettre passion artistique. Et derrière, on va aller prendre le logo, une culture, une identité, une histoire. Mm-hmm. C'est un vieux dicton, mais qui nous interpelle beaucoup, qui nous parle beaucoup parce que nous sommes défenseurs de notre culture. On doit pouvoir se reconnaître donc, notre identité et on doit pouvoir la vendre, notre histoire. Alors justement, certaines personnes diraient que c'est peut-être un peu trop facile de prendre un logo et de mettre comme ça sur des t-shirts. Est-ce que vous n'aurez pas, en termes de perspective, pensé à développer plus avec peut-être des tissus africains, avec voilà. Donc. Mais déjà pour le logo, tu vois. Ah celui-là, c'est le mien. Hein. Voilà, bon ça. C'est, encore que pour le logo à la base, il était uniforme, unicolore. Ça veut dire c'était d'accord. soit c'était blanc, soit c'était jaune, soit c'était bleu. D'accord. Une couleur, une seule couleur. Mm-hmm. Alors on se dit, mais nous sommes africains. Ça c'est des motifs africains, tu vois. C'est des. Oui oui. Des motifs africains. C'est vrai qu'au départ c'était uniquement. Il était blanc, il était blanc, s'il était jaune, il était jaune, voilà. Mm-hmm. Mais on se dit, mais tiens, nous sommes africains. Mm-hmm. D'accord. On a des valeurs qu'on veut défendre. Et dans la culture africaine, il y a le pagne. Oui. Le pagne, c'est quelque chose de symbolique parce que lorsqu'on va demander la main en mariage, on emmène le pagne. Mm-hmm. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose de sacré. Donc nous, on s'est dit, il faut utiliser le pagne africain pour pouvoir redonner du poids à notre ligne de vêtements. Entre-temps, on ne fait pas que les t-shirts, on fait tout ce qui est vêtements street. Oui, oui, bien sûr, des vêtements street. Est-ce que vous pensez également, vous avez des partenariats avec d'autres talents gabonais, d'autres jeunes entrepreneurs pour... les accompagner peut-être? Oui, on accompagne beaucoup d'événements. Déjà, il faut dire qu'en 2017, on a fait quasiment 80, sinon 85%. On a accompagné 85% des événements culturels au Gabon. C'est pas rien, ouais, bien voilà, sûr. On est partout dans le Gabon. C'est pas seulement à Libreville. On est également dans les 9 provinces. Voilà, donc on accompagne les artistes en développement. C'est un peu ce qu'on fait. Parce qu'on se dit, pour raconter une belle histoire, il faut être au départ. Bien sûr. Donc il faut être au départ de cette histoire. Il y a des artistes qui viennent, ils vont dire non mais grand, moi je veux que tu m'accompagnes. Voilà, je veux par exemple faire un show, j'ai pas le moyen. On s'est dit bon, nous on te donne ça, on te fait la communication, on te donne tout. Et après 5-10 ans après, quand il sera grand, nous on pourra se targuer de dire bon, nous on était au commencement, on a vu comment il a commencé, on a fait son premier événement. D'accord. Donc en fait maintenant vous mettez toute la structure au service des artistes, c'est-à-dire vous pouvez l'accompagner comme vous avez dit sur sa communication, sur le booking, mais également même sur le vestimentaire. Sur le vestimentaire, voilà. Ok, c'est très intéressant. Donc vous avez une page Facebook forcément pour les personnes. Oui, une page Facebook. Vous allez sur Facebook à l'onglet recherche, vous tapez passion artistique simplement. Alors il faut déjà bien signifier que le artistique s'écrit A R T-I-S-T-I-K. Voilà, c'est avec K et non plus U-E à la fin. Voilà. C'est très intéressant. Il faut pouvoir encourager la jeunesse. Hein. Alors, qui a dit que c'est seulement la haute couture avec des tissus en soie et autres qu'on fait de grands créateurs. Il y a également des streetwear comme ils le font. Et donc, Passion Artistique nous a intéressés ce vendredi pour ces jeunes Gabonais qui ont choisi de ne pas croiser les bras et de mettre leur passion voilà, au service de l'art. Ouais. Ça, c'est bien, hein, passion bien, artistique. Passion bravo artistique. À moi. Ouais, on vous raccompagne donc avec la rubrique découverte. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une dame. Elle s'est spécialisée dans la fabrication de l'huile d'amande, mais pas l'huile d'amande qu'on voit dans les pharmacies
même si maintenant on en voit déjà, mais c'est plus l'huile de Maningou. Voilà, on appelle ça de façon traditionnelle l'huile de Maningou. Elle s'est donc spécialisée dans sa fabrication et aujourd'hui, c'est toute une industrie. On regarde le reportage de Rona Charline Mwinkonde. Il y a quelques années encore, le Maningou, ce n'était qu'une huile noirâtre que les grands-mères fabriquaient dans leur cuisine et que les mamans utilisaient comme soin pour toute la famille. Cela vient de changer. Maningou, en fait, déjà de son concept, part de la modernisation des recettes de grand-mère, des recettes de beauté de grand-mère. Donc, ce qui a fait la marque Maningou aujourd'hui, c'est d'abord notre célèbre palme essentielle, l'huile de palme aux huiles essentielles, c'est-à-dire l'huile de palme blanchie naturellement et aux huiles essentielles justement pour lui donner une connotation moderne. En effet, si la cuisine demeure le lieu de prédilection pour sa fabrication, Karine Ozwaki, jeune entrepreneur, fait du Maningou sa marque déposée pour des produits cosmétiques bio faits main. On a fait de l'huile de coco, à froid et à chaud. À froid, c'est notre sérum d'huile de coco. C'est un anti-âge pour ce qui est de la peau. Il nourrit, il hydrate la peau. C'est un produit assouplissant pour les cheveux, une huile assouplissante pour les cheveux. Et ben, ça peut aussi se manger. Voilà, l'huile de coco. Ensuite, nous avons pensé à faire un booster air. Booster air, c'est en fait une huile pour les cheveux. Il gagne, il nourrit, il donne du volume. Il redéfinit les boucles pour les cheveux qui sont crépus. Mais aussi, il lisse le cheveu. Nous avons des savons purifiants à base d'argile. Là, vous avez de l'argile verte. L'argile verte est surtout pour les peaux grasses. Nous avons des savons au café. Au café, ici, vous avez ce petit savon-là que j'ai. Nous avons des savons gommants à base de poudre de noyau d'olive ou de poudre de noyau d'avocat. Recyclable, frais, l'histoire du Maningou trouve une suite et un écho favorable au sein de l'Institut de beauté du même nom. La cosmétique aujourd'hui en Afrique, c'est une préoccupation sociale. Parce que nous voyons toutes les femmes africaines qui adorent se faire belle et qui aujourd'hui utilisent des produits qui ne sont pas toujours adaptés pour leur bien-être. Parce qu'aujourd'hui, Maningou, lorsqu'on lance la cosmétique 100% naturelle, on la lance aussi pour la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un bien-être sans associer le fait que cela nous apporte aussi de la santé. C'est pour ça que nous avons choisi ce secteur qui est la cosmétique et la cosmétique 100% naturelle. Artisanale, parce que c'est une passion d'abord, mais naturelle, c'était ça le plus important aujourd'hui par rapport à Maningou. Chaque jour, depuis bientôt un an, en tant qu'entrepreneur, femme et mère, carte en main, Karine parie sur l'action. Je dirais à ces femmes qui ont des projets dans leur tête, qui ont des projets dans leur calepin, dans leurs agendas, passez à l'action. C'est-à-dire que lorsqu'on a envie de, je ne sais pas, industrialiser les toffets, je dis n'importe quoi comme ça, c'est du lait qu'on faisait cuire sur de la poêle. On décide d'industrialiser ça, mettre dans de jolis bocaux, donc avec de belles étiquettes. Il faudrait passer à l'action. Même avec une seule, démarrer avec une seule boîte. Avec Karine Ozwaki, nous retiendrons cet adage d'Albert Einstein. La logique vous amènera de A à B, l'imagination vous mènera partout. Alors donc voilà votre huile Made in Gabon, 100% naturelle, artisanale des laboratoires Maningou. Voilà, mesdames, vous pouvez dès à présent vous rendre à Montagne Sainte chez Maningou.
Voilà, c'est des initiatives à encourager, l'entrepreneuriat entièrement local. Au moment où on parle de diversification de l'économie, il faut donc encourager des initiatives pareilles, en plus avec des produits entièrement locaux. Toujours en réaction au thème de ce jour, l'homme devrait-il ou pourrait-il accomplir des tâches ménagères dans le foyer? Noëlla Florence Déricourt nous dit, comme le dit l'adage, autrui est un obstacle. Le regard de la société sur cette question établit que l'homme qui partage des tâches avec sa femme a été fétiché. Pire, nous croisons des hommes qui, depuis le bas âge, n'ont pas été éduqués à exécuter des tâches ménagères. Pour ma part, j'inculque à mon fils dès le bas âge qu'il doit laver son linge de temps en temps. Les contributions, voilà, j'y arrive, les contributions se poursuivent via la page Facebook ou encore le groupe WhatsApp ou encore par SMS. Nous les lirons. Pour le moment, on va sourire un peu. C'est l'instant lol de cette émission. C'est un professeur ou alors un artiste assez particulier. Dans sa tête, il est Michael Jackson et George Michael à la fois, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Regardez. Cher professeur de philosophie, cher Jimmy homme libre, la scène est à vous. Tu me fais un peu flipper. C'est ce type qui vient de banlieue qui se tape des vérités. Il se bat pour exister dans un monde des idées. Mais ce type devient fou, il n'a pas de rendez-vous. Il ne peut plus résister à l'envie d'être aimé. Il n'a pas démérité. Bon, maître Gims. J'ai peur du changement. Il fait tard, la nuit est bien là. Quel était son vrai prénom? Quel était son vrai visage? Non. Quel était sa vie? Ah non! Ce n'est pas moi qui ai buzzé, c'est mon sexe. Vous êtes très très sympathique, mais honnêtement, je pense que... Il n'a pas démérité. Non, il n'a pas démérité. Mais la danse, la composition, le style musical, moi, j'adhère pas trop. D'accord. Si vous êtes le fils caché de Morgan Freeman, je comprends pourquoi il vous a caché. Jimmy, merci, mais en effet, je ne pense pas que ça soit suffisant. J'aime le message, j'aime qui vous êtes, ce que vous représentez. Je pense qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais aucune crédibilité auprès d'aucun étudiant. Et ça, je trouve que c'est fantastique. C'est bravo. Fantastique. Bravo. C'est génial. Bravo. Moi, j'aimerais vous dire quand même qu'au niveau de la voix, dès le départ, il y a eu un problème de justesse. Ah. Vous n'avez pas une voix désagréable, vous avez juste pas réussi à me cueillir, tout simplement. Mais votre sympathie m'a totalement cueillie, par contre. Il y avait une constance, c'était mauvais du début à la fin. Alors, Donc allez, on va voter. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est oui. Il y a un message derrière. J'ai envie de me mettre à étudier la philo avec vous, mais pour moi, c'est non pour aller en demi-finale. Ça va être non. Donc c'est trois non, un oui. Mais mille merci d'être venu. Merci. Voilà, c'est une petite vidéo qui nous a fait sourire, un clin d'œil comme ça à Roselyne Coguet du côté de Paris qui aime bien commencer sa journée avec cette vidéo de Monsieur Freeman, un professeur de philosophie à l'université. Et voilà, c'est donc un artiste aussi très caché. Bonjour et bonne émission, chaque couple avec sa réalité. Je travaille, ma femme aussi, donc c'est avec plaisir que je fais des tâches à la maison. Il faut savoir aussi que le milieu s'y prête, c'est narcissique. Aouansou qui nous écrit, fidèle téléspectateur qu'on remercie d'ailleurs. Et donc, alors que nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, la dernière de l'entre-deux pour cette semaine, on passe à l'agenda culturel et l'agenda télé. A tout de suite.
Et bien sûr, l'agenda culturel prévoit ce week-end, le samedi 3 février 2018, du côté de Paris, le chorégraphe Alphonse Thierrou et ses danseuses Serge Ananou, chanteur, guitariste béninois et bien sûr Tita Ndiébi, qui est donc auteur, compositeur et interprète franco-gabonaise. Ils seront donc sur la scène du Café de la Danse pour un Clair de Lune, c'est à Paris. Clair de Lune, c'est une ode à la beauté. Les rythmes vous transporteront au plus profond de vous-même pour une soirée inoubliable. C'est donc l'artiste, auteur, compositeur et interprète franco-gabonaise Tita Ndiébi à retrouver du côté de Paris pour ce spectacle Clair de Lune. Ici, sur place à Libreville, la Ivy League réunion a un événement. Donc, c'est donc un rassemblement des anciens de l'établissement d'élite du Gabon et il permet donc cet événement aux anciens élèves du lycée national Léon Bas de se retrouver pour un moment de networking et se rappeler les bons moments des années lycée, le tout dans la bonne ambiance. C'est donc ce samedi 3 février avec les anciens élèves du lycée national Léon Bas du côté du lounge. Et pour ceux qui ont envie de se trémousser au rythme de la salsa congolaise ou alors kizomba, rendez-vous avec les Carrefours de la Danse. C'est ce soir à partir de 20h du côté de Louis, mais également toujours ici au Gabon, plus au nord, donc Abitam, vous aurez droit à l'assemblée départementale d'une thème et suprême et camp major qui vous présente le chef élan en spectacle. C'est un slam vête qui se déroulera donc à Abitam. C'est le samedi 10 février à 19h30 au Clac. L'entrée, c'est seulement 1000 francs. Et parlons de l'agenda télé sur les antennes de votre télévision Gabon Première. Vous aurez droit à vos émissions habituelles du week-end. Gap Culture, c'est samedi. Espace Jeune également, c'est samedi. À retrouver ce soir sur les antennes de Gabon Première. D'abord, le Grand Bandia. Steve et ses invités vous attendent bien en poste. Et bien sûr, juste après, à 21h, après la grande édition d'information, vous aurez droit à votre débat contradictoire. Même si, voilà, donc votre débat. C'est sans tabou avec Armstrong, Agaya, aux manettes. Dimanche, vous n'oubliez pas le rendez-vous déjà en après-midi avec Gospel Art, le rendez-vous de l'art gospel. Et donc à 18h, vous aurez droit à votre émission « Croire pour vivre » avec Hugues Tinga Ngoy. C'est tout donc pour cette émission, l'entre-deux, la dernière de cette semaine. Je rappelle que ce vendredi 2 février, nous célébrons toujours, la journée n'est pas terminée, la journée mondiale des zones humides. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 13h passé de 45 minutes exactement, toujours sur les antennes de Gabon Première. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes qui, eux, se poursuivent. Au revoir.